خديو وحده تسمع خليكم بوجور تو مودان وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. نو سوم لو 8 اكتوبر 2022 جيسبر كو فوزافي باسي ان اغريابل مولود نبوي الشريف. جيسبر كو فوزافي بروفيتي دو سي مومون دو كونفيفاليتي فاميليال. Nous allons parler ce matin, nous allons commencer cette journée par parler de l'augmentation inédite, encore une fois, et phénoménale du budget de la police algérienne. La police algérienne va terminer l'année 2022 avec des dépenses qui vont atteindre l'équivalent de 2,2 milliards de dollars. Je dis bien l'équivalent de 2,2 milliards de dollars. C'est énorme, Yajma. C'est énorme, 2,2 milliards de dollars. Naturellement, nous ne remettons pas en cause l'importance d'avoir une police nationale. Tous les pays du monde disent de ce nom d'une police qui doit être équipée, bien structurée, etc. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on doit dépenser autant d'argent pour notre police? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce que l'Algérie ne devrait pas financer davantage des projets économiques, de création d'emplois, de richesses, pour améliorer le niveau de vie de sa population et pour améliorer sa résilience économique, plutôt que de à chaque fois, à chaque année, élever et toujours augmenter les dépenses de la police algérienne? La police algérienne, Yajma'a, Fiqanou, Chouf 2022, ont eu deux budgets différents. Alors, la loi 2022, il y a eu deux lois de finances. Il y a eu la loi de finances ordinaire qui a commencé début de l'année 2022, il y a eu la loi de finances complémentaire qui a été mise en œuvre au début du mois d'août 2022. La loi de finances, elle appelle comme encore une fois, un peu de pédagogie, la loi de finances, c'est la loi cadre qui permet de distribuer l'argent public et de déterminer les budgets des ministères et des institutions de l'État et de dire voilà comment on va utiliser l'argent public pendant cette année 2022 et à quoi va servir cet argent public. C'est ça ce que c'est qu'une loi de finances, c'est la loi fondamentale qui permet de faire fonctionner un pays, parce qu'un pays repose sur l'économie, sur les finances publiques. C'est ce qui permet, c'est la loi fondamentale qui nous permet de répartir des budgets et de les utiliser pour des orientations bien précises afin de combler ou là les besoins de fonctionnement d'un pays. La loi de finances complémentaire, c'est que 6 mois après, il arrive qu'on change un peu la loi de finances et on améliore, on change les budgets, on baisse, on les augmente et on complète. Pour ça, ça s'appelle la loi de finances complémentaire, un complexe qui a été décidé au début de l'année dans le cadre de la loi de finances ordinaire. Alors, la DGSM, la Direction Générale de la Sécurité Nationale, qui est la police algérienne, a commencé l'année 2022 avec un budget de 295 milliards de dinars. La loi de finances complémentaires, t'as le budget à la police algérienne, à la DGSN, de 295 milliards de dinars à 309 milliards de dinars. Il y a non seulement, déjà par rapport à 2021, la police algérienne a augmenté beaucoup son budget, mais par la même en 2022, elle a eu droit à deux augmentations de ses dépenses, de 295 à 309 milliards de dinars. 309 milliards de dinars, c'est l'équivalent de presque 2,2 milliards de dollars. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme dans un pays où il y a encore des zones d'ombre, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de haraga, il y a beaucoup de misère sociale encore, beaucoup de pauvreté, où il y a la cherté de la ville et les salaires des Algériens ne leur suffisent même pas de tenir face au choc économique qui a commencé à ébranler le pays depuis la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine à la fin du mois de février 2022. Il y a d'autres problèmes, peut-être qu'il y aurait nécessité à ce qu'on consacre tout cet argent public pour les résoudre. Et la police ne peut pas tout faire. La police, elle est là pour protéger l'ordre public et la sécurité publique. Or, s'il n'y a pas d'emploi, s'il y a beaucoup de chômage, s'il y a beaucoup de misère sociale, s'il y a beaucoup de pauvreté, s'il y a beaucoup de précarité, la police ne peut rien faire. Ne peut absolument rien faire. La police ne peut pas nourrir les gens, ne peut pas leur trouver du travail, elle peut juste les arrêter, les mettre en garde à vue et les présenter devant la justice. Donc, ces traitements sécuritaires, cette sécuritocratie algérienne coûte énormément cher. Et que je vous donne les détails des dépenses, je vous oublie, mais certaines dépenses suscitent des interrogations et sont vraiment excessives. Et personne n'a fait une étude réellement, on a une enquête pour déterminer est-ce que nous avons besoin d'autant d'argent. Nous avons raison, les salaires et les pensions, les salaires, les allocations sociales, les pensions de retraite, les policiers algériens vont coûter d'ici la fin de l'année 2022 plus de 1,5 milliard de dollars. 218 milliards de dinars consacrés aux salaires, aux pensions et aux allocations sociales. T'as les policiers algériens. 1,5. C'est énorme, il y a un budget kbir. Est-ce que les policiers, qui méritent, tout le monde mérite un bon salaire. On va pas
باش ما يقولوش لي بوليسي تاعنا باش ما يزعفوش علينا. كل مود ميريت دي بون سالير، البروبليم ني با لا، مي اسكو اون ا بيزوان دوطون دو بوليسي دايور. لو نومبر دي بوليسي ريست اون كون فوا كي تاع بليزيور فوا في الجيري بارت، لي زيميزون دالجيري بارت ريست اون كون فوا انديتيرميني. دون نوتر بيي اون نو فو با روندر بوبليك لو شيفر اوفيسيال دو نومبر دي بوليسي انجير. مي دو سورس سيكوريتير اون سي كيلز اون دي اي بلو دو 250 000 بوليسي. شاك اني اون ريكروت اونتر 6000 à 7000 jusqu'à 10000 nouveaux policiers. C'est énorme. C'est ce qui fait gonfler la masse salariale. 1,5 milliard de dollars, c'est énorme, Meshmer. La police nous coûte très très cher. C'est un budget avec lequel tu peux construire des usines, des complexes industriels, des complexes pétrochimiques, tu peux créer des milliers d'emplois, Meshmer, avec 1,5 milliard de dollars. Regarde les salaires. Quand je vois les prestations familiales, les prestations sociales, etc., vont coûter, d'ici la fin de l'année 2022, 55,8 milliards de dinars. Ce qui est en ordre. Donc, je vous le fonctionnement de la direction générale à la DGSN, en effet, Alger. Rien que la direction générale à la DGSN. Ben, on a un siège chez Bebelouet, ou un siège Wadakh, fait Hedra Parado. La DGSN, d'ici la fin de l'année 2022, elle va coûter 21,1 milliards de dinars. C'est-à-dire, la direction générale. 21,1 milliard de dinars, c'est l'équivalent de 150 millions de dollars. Il y a une bâcle, la direction générale à la police. Regardez les commissariats, les quartiers, à travers les villes, la direction générale, nous coûte 150 millions de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Normalement, la Cour des comptes, voilà, mais juste le muhasaba, comment cet argent est utilisé? Et est-ce qu'il est justifié cet argent? Est-ce que le fonctionnement de la direction générale de la police algérienne a besoin d'autant d'argent? La question se pose, elle est en toute légitimité. Les questions, encore une fois, ne signifient pas qu'on est contre la police ou qu'on est contre les policiers. Les policiers ont le droit à leur part du gâteau des richesses nationales, mais à une part qui doit être modeste pour que tous les Algériens et pour tous les autres secteurs prennent aussi leur part du gâteau. Mais bien, 150 millions de dollars règle le fonctionnement de la direction générale. Il y a des questions qu'on se pose, dans les détails du budget. Par exemple, les repas consommés par les policiers algériens, 7,6 milliards de dinars. 1,9 milliard de dinars pour financer les hôpitaux spécialisés, la DGSN, la police algérienne, elles ont 3 hôpitaux. La semaine dernière, je me dis, les policiers algériens, ils ont 3 hôpitaux à leur service. Avec un hôpital Jeffy Warren, un hôpital Jeffy Sidi Blabès, un hôpital Wadakhot Jeffy Léglissine et Filbière. Le parc automobile de la DGSN, Wahdou, va nous coûter 3,2 milliards de dinars. Les tenues, les vêtements des policiers vont nous coûter 3,9 milliards de dinars. Et toutes ces dépenses HMA sont à la charge du ministère de l'Intérieur. Parce que la DGSN, elle relève du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il a vu ses budgets exploser. De 2020, 2021, 2022, les budgets du ministère de l'Intérieur, il a explosé. Le ministère de l'Intérieur, HMA, va dépasser l'année, va terminer l'année 2022 avec un budget qui va dépasser les 680 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 4,9 milliards de dollars, presque 5 milliards de dollars pour le ministère de l'Intérieur. C'est énorme. C'est pratiquement le troisième budget du gouvernement après celui de la défense nationale et de l'éducation nationale. C'est énorme. Ouais, les dépenses, je vous dis, la DGSN représente plus de la moitié, pratiquement la moitié du budget du ministère de l'Intérieur. C'est énorme, je m'arrête. Qu'il y a la protection civile, qu'il y a d'autres directions, qu'il y a les collectivités locales, qu'il y a les wilayas, c'est énorme, je m'arrête. C'est vraiment, c'est beaucoup d'argent. Cet argent qui est utilisé, dans le mauvais usage, mais on pourrait avoir une bonne police, une police professionnelle, sérieuse et rigoureuse, sans dépenser autant d'argent. On parle de 2,2 milliards de dollars, je mets à Amigoula Relsen. 2,2 milliards de dollars, on aurait pu créer des universités. Bien sûr, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, il a son propre budget, on en parlera prochainement aussi. Mais ça reste, les besoins de développement du pays ne sont pas du côté de la police. Ce n'est pas la police qui développe un pays. Celui qui développe un pays, c'est l'universitaire, c'est l'enseignant, c'est le médecin, c'est l'informaticien, c'est l'ingénieur, c'est l'entrepreneur, c'est le businessman, c'est le créateur de richesses, c'est le savant, c'est le scientifique. Ce sont dans ces secteurs-là où l'Algérie doit mettre son argent. Un policier, habina ou lakrana, ne peut que protéger l'ordre public. Et mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de croissance économique, s'il y a beaucoup de misère sociale, s'il y a beaucoup de détresse, le policier ne peut rien faire. Ce n'est pas avec une arme ou avec des menottes que tu vas régler les problèmes sociaux ou les économiques d'un pays. Les dirigeants généraux, je suis aminé. Malheureusement, cette sécuritocratie, elle est mise en place par le régime algérien pour réprimer les libertés publiques, pour surveiller la population et pour
faire peur à l'opposition, là, aux couches populaires, ou là, aux éventuels Algériens et Algériens qui veulent protester dans la rue ou la demander le changement. Clairement, c'est pour réprimer tout mouvement de protestation comme celui du Hirak. Voilà le but de cet investissement. Mais c'est un investissement qui nous coûte cher. La répression en Algérie nous coûte très très cher. La sécurité publique aurait pu être préservée dans notre pays avec beaucoup moins d'argent. Dans les années précédentes, on dépensait beaucoup moins. Les années 90, la police algérienne luttait contre le terrorisme. Elle n'avait pas autant de budget, mais grâce au soutien de la population, grâce à l'engagement de nos policiers, on a gagné la guerre contre le terrorisme. Et grâce au soutien des militaires, bien sûr, dans un pays. Mais on n'avait pas dépensé autant d'argent. Même pour l'Algérie n'avait pas d'argent de toute façon. On était endetté. À la fin de la décennie noire, on était endetté à plus de 30 milliards de dollars. Mais malgré cela, on avait la police travaillait, faisait son boulot, son devoir, et on avait réussi à préserver l'unité nationale et à sauver la sécurité du pays. Il y a eu des sacrifices. Beaucoup de policiers se sont sacrifiés pendant la décennie noire. Mais on est là. Le pays a gagné sa guerre contre le terrorisme. Mais on n'a pas dépensé autant d'argent. Lui, en temps de paix, oui, en Algérie, il y a eu paix, il y a eu la réconciliation nationale, la sécurité nationale, elle est maîtrisée. Pourquoi consacrer autant d'argent à la police? Et donc, il y a des raisons politiques, il y a des motivations politiques qui ne sont pas encore une fois justifiées. T'as un bzèf, du HMA, qui va la direction générale ou à 250 millions de dollars. Bzèf. Rien n'est bzèf. L'Algérie a besoin de développer des projets économiques, des projets scientifiques. On a besoin de construire de nouvelles villes, de nouvelles universités, de nouvelles écoles, de nouvelles usines, de nouveaux complexes industriels. Nous avons besoin d'avoir une production nationale en économie, en sciences, dans les nouvelles technologies. C'est ce qu'il nous faut en urgence. Recruter davantage de policiers, ça ne réglera pas les problèmes. Payer davantage les policiers, ça ne réglera pas les problèmes. Dépenser davantage pour la police, ça ne va pas résoudre les problèmes de ces développements dans notre pays. Mais qui peut le comprendre? Quelle est l'oreille qui peut être attentive à ce que disent nos bouches? La question reste posée. C'est comme ça, à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres émissions.